Et le bilan, dressé par des partenaires extérieurs, par des scientifiques même internationaux, parle de lui-même. 27 000 créations d'emplois, 11 000 entreprises bénéficiaient du plan Marshall. Il y avait deux administrations, des relations internationales, une à la communauté française, l'autre à la région wallonne. C'était un défi, et ce défi, nous l'avons réussi. Les deux administrations sont fusionnées, et nous n'avons plus qu'une seule administration francophone au bénéfice de tous les francophones, avec une convention avec la COCOF et les francophones de Bruxelles. Nous sommes aujourd'hui à 10%. Pour le dire autrement, 450 000 ménages toute l'année consomment de l'électricité en provenance des renouvelables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Lorsque José Darras me laisse 14 éoliennes, vous en trouvez aujourd'hui 214 en région wallonne. C'est pourquoi ce mot bilan, ce qui l'avant et d'abord et avant tout nous procure, peut-être pas de la fierté, mais en tout cas une grande satisfaction, celle du travail accompli, celle qui nous permet aussi de nous présenter sans rougir devant les électeurs. Vous n'avez pas vu la valse des ministres au niveau du CDH. Nous avons travaillé ensemble main dans la main, en essayant de créer un maximum de synergie entre nos compétences pour être au mieux au service de l'ensemble des Wallons. Cette législature a été une législature de rupture. Non pas qu'il n'y ait pas des divergences entre les partenaires, nous sommes 6 autour de la table à Bruxelles, mais nous avons développé ensemble des convergences, un véritable projet de vie qui s'est traduit au travers de notre contrat pour l'économie. En ce temps de crise, l'Europe a eu une opportunité, celle véritablement de faire un examen de conscience, un vrai examen de conscience, de mieux définir son projet. Quel projet européen voulons-nous défendre? Et c'est considérer, remettre l'humain au centre, que ce que nous devons poursuivre, c'est la croissance humaine, et non pas avant tout la croissance économique ou financière. Remettre l'humain au centre, c'est considérer que le développement du secteur non marchand et des métiers du cœur vaut bien autant que ceux de ces quelques traders qui ont trompé le monde. Mettre l'humain au centre de tout, alors tout simplement, le centre, c'est vous. Et c'est donc ce slogan-là, le centre, c'est vous, qui sera au cœur du slogan de notre campagne. Campagne que je crois nous allons gagner, tout simplement parce que notre projet politique, il veut faire gagner l'homme. Je vous remercie.